Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de cette Salty Academy? Bien ou bien? Qui c'est qui est devant le campus là? Ok, Overrack Gamer, le mec hyper sympa. Big Big Matt aussi qui revient par ici. Wreck and Fur, Lorzy, Shiryu. Vas-y, Shiryu, commence pas à casser les couilles. Tu restes dehors toi. Tous les autres, vous pouvez rentrer. Lui, il reste dehors. Non, je m'en fous, il reste dehors. Non, non, lui, il reste dehors. Il arrive, il casse les couilles. Your best teammate. Remember it. Bien ou bien, vous avez passé une bonne et une agréable journée. À part Shiryu, va te faire enculer. C'est de la discrimination. Non, non, c'est pas de la discrimination. Oh, c'est de la discrimination. Hein? On a les viewers qu'on mérite. Non, je crois pas. Non. On a les étudiants qu'on mérite. À la limite, là, je veux bien, ok. Là, je veux bien. Tu bois quoi? Tu manges quoi? T'as fait bien caca? Aïe, yeah, la vie d'influenceur. Je bois du Contrex Green, infusion bio, thé vert, saveur citron. Est-ce que ça va mieux dans ta vie maintenant? Maintenant que tu sais ça. Maintenant que je bois de la Contrex. Sympa de boire son urine. Une petite analyse d'urine. T'inquiète, ah, ça fait plaisir. C'est Man versus Wild ici, ok? Ton avis sur Osa? Bah, faudrait que je la teste déjà. Donc, on va tester Osa maintenant, quoi. Le problème, c'est que tout le monde va vouloir la choper. Donc, ça va être super relou. Il va falloir se battre pour la voir, quoi. Donc, c'est un peu casse-couille. Mais voilà, quoi. Non, mais elle a l'air cool, hein, franchement. Elle a l'air cool, hein. Osa attaque. Faut que je m'en souvienne quand on va switcher en attaque. Que je la prenne pour le coup. Ouais, ça la protège bien, putain. Faut que je teste le nouvel opérateur. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller très vite? Entrée, non? Elle est où? Non, mais... Can I get a new hop? Never tried it. Oh, thank you. Et la MTK. Ouais, bon, je sais pas, ça me saoule en fait. Ah! Ah, je m'y attendais pas du tout. Pas test en T-Hunt. Ah, ouais, t'as raison. Pareil qu'hier, la T-Hunt était désactivée en plus. Pouvait le tester qu'en custom, tu sais. Oh merde, on attaque. Ouais, je fasse une petite voix d'enfant. Vous pensez que je vais y arriver? Un truc comme ça, quoi. Petite voix d'enfant. Enfin là, c'est plutôt... désolé, ça fait 6 ans que j'attends les enfants devant la maternelle. Il faut qu'on trouve la possibilité d'avoir une voix irrésistible qui fait qu'il me donne absolument l'opérateur. Vous me dites, avant je travaillais au bois de Boulogne. Ah, un truc peut-être plus comme ça un peu. Can I get a new hope on next round? Je sais pas, ils vont penser que je suis un enfant. Du coup, il y aura l'innocence, quoi, tu vois. Oh non. Non, mais c'est horrible ce truc. Parce que lui aussi il peut pousser du coup. Et c'est horrible, c'est trop dur. Regarde la dernière vidéo de Jaeger himself. Il teste la distance à laquelle le nouveau drone de Twitch. Et il peut tasser des trucs à 150 mètres. Seriously, j'ai vraiment envie de voir ça. Mais du coup ça me sert à quoi d'aller voir la vidéo de Jaeger himself, sachant que tu viens de me spoil le truc? Du coup la finalité c'est de savoir qu'il peut tasser des trucs à 150 mètres. Et en même temps il est écrit portée infinie, donc oui c'est ça. Mais j'aurais dû faire une vidéo effectivement qui dit portée infinie. Allons tester la portée, faisons un nouveau titre. La portée du Twitch drone est abusée. 60 000 vues. Comment t'as commencé Rainbow Six? En le téléchargeant? Eh ben non, pas moi, parce que moi je l'avais sur Xbox, mon gars, donc j'ai acheté sur CD. Ils ont nerf au début de North Star. Le recall de Vigile? Ah ouais? Oh merde, non! Hey guys, can I get a new hope? I never tried Rosa. Can I play Rosa, please? Enculé. Non, on a un attaque. Nice. Attends, est-ce que faut je peux faire rentrer? C'est ça le truc. Come on, guys. Merde, le come on guys était absolument parfait. What do you mean, Kif? I thought you were talking to me. I never played her either. And this guy with this baby voice can wait. Yeah. Mais là, ça fait plus femme que jeune enfant, quand même. Non. Famille de merde! Allez, c'est bon, j'arrête. Ça, ça me fait chier de pas pouvoir la tester, quoi. En revanche, c'est quoi son icône, en fait? Pourquoi c'est Bumblebee, son icône? Une guêpe? Mais pourquoi? Parce que Osa, c'est guêpe en croate. Ah, mais y a pas de rapport avec le gadget en fait. On dirait une bite, pardon, me banne pas. Tu trouves que ça, on dirait un phallus.
Lui dit rien, il est tout seul dans son monde, hein. C'est Truman Show. Hop, hop, hop. Oh non, vas-y, petite voix ou pas, hein. Hey, can I get Rosa, guys? Never tried it. Thanks. Oh. It worked. L'escroc total. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Non ! Mais viens pas te chercher, j'ai envie d'essayer là ! Merde ! Tout ça pour ça, ça arrive, vas-y, je la reprends plus, ça me saoule. Qui se passe dans mon cerveau parfois. Ah oui, y'a personne sur site en fait. Reloading. Ne clippez pas, please. Please, 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 please. Un cerf ? Bah y'a rien. Vous l'avez vu le mec sur code ou pas ? Il a fait la même là. On lui demande à un moment de mettre un contrôle L-Sup. Y'a le truc qui apparaît derrière. Appuie sur un cerf. Ça fait quoi un cerf ? Ah, un cerf ! Problème avec les sports Fortnite, t'as la manette il me semble, et c'est pas un peu un jeu facile à haut level. PS, j'y joue pas, insulte-moi pas. Non mais t'as raison, j'ai pas de stricto sensu un problème avec les sports de Fortnite. C'est hyper skillé Fortnite, hein, vraiment quoi. Bon après je trouve ça moche à regarder, mais bon, j'ai pas parlé de ça. Vous arrivez toujours à essayer de faire des généralités, à tirer la couette de votre côté pour essayer d'en tourner un drama. Et l'importance des mots les amis, hein. J'ai jamais parlé de ça. Ça m'énerve que quand les gens parlent d'e-sport, leurs seules références sont, et c'est souvent par rapport à l'âge, Fortnite et code. Pas tout à fait pareil, j'ai pas stricto sensu un problème avec les sports de Fortnite. C'est juste que quand on parle d'e-sport, pour moi c'est plus CS que code et Fortnite. Et j'en faisais une généralité sur Twitch où je me dis j'aimerais bien que la partie tryhard soit plus, enfin que les streamers compétiteurs machin, les Gotha, les Loclear, les plus gros tu vois, soient pas plus sur des jeux peut-être un peu de niche, il est vrai quoi. Tu pourrais te dire en fait c'est normal qu'ils soient sur ces jeux là puisque c'est les jeux qui ont plus de reach à l'heure actuelle. Et c'est tout à fait vrai tu vois. En fait ils ont un pouvoir que peu de streamers ont. Ils ont la capacité d'attirer du monde, de créer une communauté, voire même parfois comme des jeux inconnus comme Among Us, de créer un énorme effet de groupe en fait. On a balancé l'impact ici, je l'entends, le tunnel de son vient de passer par là. Là, clairement, j'ai balancé l'impact ici et le tunnel de son est passé par ici. Je savais pas qu'il y avait un trou de rota, tu vois. Je savais, en revanche, avec le son que je l'entends là, quoi. Donc je me dis, il doit y avoir un trou de rota, c'est assez logique en même temps, mais je savais où était le trou de rota avant de le regarder et le bruit de l'impact n'est même pas venu vers moi directement, quoi. Donc il y a quand même des bugs. C'est à cause du son, ça. Enfin, je la vois... Je la vois pas où est là, en fait. Bengu a fait un gros bug de son sur Club dans une certaine pièce. Tu entends tous les bruits de la map. Mais c'est horrible, mec. Mais moi, j'ai jamais connu ça. Mais lui, c'est pas la première fois qu'il se plaint sur du son, tu vois. C'est pas la première fois. Moi, c'est la première saison, réellement, que je me plains sur le son. Je n'ai jamais eu de problème de son comme ça, où je suis perdu sur ce que je viens d'entendre. Hier, j'ai regardé si j'ai... À un moment, j'ai pris mon fil, j'ai fait ça, pour être sûr que ça, c'est l'écouteur gauche. Mon père aussi passait un certain âge a eu des problèmes de son. Et ta mère ! Ah, ta mère ! Je suis le seul qui suis vraiment excité d'aller manger chez mes grands-parents car je sais que je vais bien manger. Non, moi je faisais pareil aussi quand j'étais plus jeune. J'avais pas envie de les voir. En plus, ma grand-mère, elle avait de la barbe. Je pense que ça vient d'elle. Hein. Mais à chaque fois, en plus, elles faisaient la même bouffe. Elles avaient toutes les deux leur spécialité. Le fameux gâteau de riz au caramel. T'inquiète. Maintenant, j'ai faim. Ouais, tu sais, c'est une espèce de tête de gâteau de riz avec coulis de caramel au beurre salé. Elle faisait ça super bien, quoi. C'est vraiment très, très bon. Elle voulait pas trop le faire, mais nous, on la forçait. Parce qu'on lui disait, tu le fais super bien. Du coup, elle est morte du diabète.